Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on se ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des cieux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit. Proclamés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit. Proclamés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie. Le parfum de ta vie, le parfum, le parfum de ta vie. Confiance en ta croix, confiance en ton sang.
agit en moi et me transforme. Que t'offrir en retour, la création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. J'élève la voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré, et j'ai confiance en toi. Confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, et de toi je me sens bien, et de toi je me sens bien. Je me sens bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, c'est la seconde des brèves des responsables et j'ai demandé à Chantal de nous partager un petit mot sur une méditation et sur deux textes qu'elle a mis en parallèle. J'ai trouvé cela très bénissant pour nous en cette période et je lui ai demandé donc de
de dire quelques mots pour ce jeudi soir, pour toute l'Assemblée. Voilà, mais avant de lui donner la parole, je voulais simplement réitérer ce que je vous avais dit lors de la news de lundi. Je suis extrêmement impressionné par comment vous réagissez à cette période de confinement. Au lieu de replier, de vous replier sur vous-même, vous prenez soin les uns des autres. Au lieu de baisser les bras, vous voulez relever dans la prière et dans l'intercession pour le monde. Au lieu de regarder les ténèbres, vous regardez et vous fixez les yeux vers la lumière. Au lieu de subir l'instant présent, vous tâchez d'en saisir le sens. Au lieu de tomber dans le fatalisme, vous relevez les manches pour comprendre ce qui doit et ce qui devra être changé. Au lieu d'emmagasiner des trésors sur cette terre, vous en placez dans le ciel. Au lieu de la frustration, vous vous encouragez à l'imagination pour faire le bien. Alors, franchement, je suis très impressionné pour tout ce que vous faites en ce moment. Je laisse la place à Chantal, voilà, et je vais me retirer de la caméra pour lui laisser toute la place. Bien, bonjour. Bon, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très simple, mais ça m'a fait du bien dans ma lecture personnelle. Donc, juste un petit partage. En fait, c'est comme l'a dit Norbert, c'est juste comparer deux textes, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est le nombre 6, le verset 22 à 27 que je vais vous lire. Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle à Aaron et à ses fils disant, vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi, que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Et le deuxième texte, tout à fait à l'autre bout, c'est le dernier chapitre d'Apocalypse, Apocalypse 22, de 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil. Car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux. Et ils régneront au siècle des siècles. En fait, la chose que je veux dire ce matin, elle se résume en une seule phrase. C'est que la bénédiction d'Aaron, celle qui a été donnée pour le peuple juif quand ils étaient dans le désert et par-delà même pour toute l'humanité, cette première bénédiction, elle est provisoire. Mais nous attendons la deuxième, celle qui est écrite dans l'Apocalypse. En fait, tout ce que nous vivons en ce moment, c'est une situation provisoire et nous sommes dans l'attente de l'aboutissement du plan parfait de Dieu. Alors je vais juste comme ça comparer des choses qui sont écrites dans la bénédiction d'Aaron et d'autres dans le chapitre de l'Apocalypse. Par exemple, que l'Éternel te bénisse et te garde. Dans la bénédiction d'Aaron et dans l'Apocalypse 22, il n'y aura plus de malédiction. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, la bénédiction de Dieu, elle nous garde du mal. Mais à la fin, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de malédiction. Plus la malédiction du péché, de la mort et de toute l'œuvre du mal. Deuxième verset, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Dans la bénédiction d'Aaron et dans le chapitre de l'Apocalypse, l'Éternel Dieu fera briller sa lumière sur eux. Pour l'instant, on reflète un peu de la lumière du Seigneur. On a sur nos vies un reflet de sa gloire. Mais à la fin, toute sa lumière brillera sur nous,
sa lumière et sa gloire tout entière sera sur nous. Troisième verset. Que l'Éternel lève sa face sur toi. Et dans l'Apocalypse, ils verront sa face. Pour l'instant, nous voyons comme dans un miroir. Mais alors, à la fin de toute chose, nous verrons sa face. Nous le verrons face à face. Et pour finir ce parallèle, dans la bénédiction d'Aaron, il est dit « Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël. » Et dans l'Apocalypse, « Et son nom sera sur leur front. » Pour l'instant, nous avons comme une marque sur les linteaux de nos vies, sur notre front, sur notre cœur, une trace du sang de Jésus sur nous. Mais alors, nous porterons son nom. Nous vivrons dans une appartenance totale et définitive au Seigneur. Nous porterons le nom d'enfant de Dieu, d'une manière parfaite et complète. Shalem, comme on dit en hébreu, quelque chose qui est arrivé à la perfection. En fait, ce qu'on pourrait dire tout simplement, c'est que l'Apocalypse, c'est l'accomplissement total de la bénédiction d'Aaron. Et en fait, si vous remarquez, dans la bénédiction d'Aaron, les verbes et son subjonctif s'est tourné comme un souhait de Dieu, comme une prière. Hein. Que l'Éternel fasse briller sa face, que l'Éternel lève sa face sur toi. C'est le souhait, c'est la prière de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, on a des verbes qui sont affirmatifs, qui sont futurs. Hein. Dieu fera briller, il n'y aura plus de malédiction, ils verront sa face, son nom sera sur leur front. Voilà. Un futur qui va devenir un présent pour nous, bientôt, qui sait. En tout cas, il y a des contractions de cet avènement du royaume de Dieu qui sont vraiment visibles en ce moment. Et voilà, donc nous vivons dans cette attente. Tout ce que nous vivons en ce moment, que ce soit quelquefois des choses formidables, quelquefois des choses très difficiles, cette situation n'est que provisoire. Mais nous sommes dans l'attente de quelque chose qui est gigantesque. Et donc, on ne peut pas imaginer vraiment ce que ça sera. Alors, je voudrais juste finir par un verset de l'Apocalypse aussi, verset 3 du chapitre 21. J'entendis une grande voix venant du ciel disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et il sera son peuple, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. » En fait, l'idée fixe de Dieu depuis le départ, c'est ça. Habiter au milieu des hommes. On ne l'a pas voulu, on l'a fait sortir de notre monde, voilà. Mais il finira par avoir le dernier mot. Et ce désir qu'il a, cette histoire d'amour entre l'humanité et lui, va s'accomplir. Nous serons son peuple. Il sera notre Dieu complètement. Peut-être juste, encore un. Apocalypse 22, verset 5. Et ils régneront au siècle des siècles. Voilà ce qui nous attend. Vivons notre situation provisoire avec les yeux fixés sur cette réalité qui nous attend bientôt. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Chantal. Alors, par ces deux textes que tu as mis côte à côte, tu nous as fait toucher du doigt ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Le Seigneur règne, il a tout accompli à la croix. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde, on n'a pas l'impression qu'il règne. On a l'impression que c'est la misère qui règne, on a l'impression que c'est la souffrance qui règne, on a l'impression que c'est la mort qui règne. Mais la foi fait lever les yeux plus loin que le simple regard. Et nous voyons le Seigneur couronné de gloire et d'honneur. Et nous voyons que toutes choses lui sont soumises, déjà sous son trône. Alors ça nous encourage à vivre ensemble, ces temps en ayant de l'espérance, l'espérance qui est vraie, pas simplement un vague espoir, mais une espérance qui est vraiment dans le quotidien. Alors merci beaucoup pour votre résilience, pour votre espérance que vous avez en abondance, que vous manifestez en abondance. Voilà, je vous souhaite, nous vous souhaitons, Chantal et moi, une très bonne semaine et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos dernières nouveautés. Surtout, prenez soin de vous, restez bénis et à très vite.